Bon. Alors, attendez. Coucou, bonjour, bonjour à tous. Ceci est un retour sur Pokémon Donjon Mystère. Ça va? bon bah écoutez, oui voilà, donc on est de retour sur sur PDM, sur Pokémon Donjon Mystère. Donc j'ai eu le temps de digérer le live de la dernière fois. Ça fait quand même un mois et demi hein, qu'il y a pas eu de live sur Donjon Mystère, donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que bah il me fallait un peu de temps pour que ça passe. Donc je vais juste, je vais rien vous demander de spécial dans le chat parce que ça sert à rien de demander des trucs. Je vais faire mon live et je vous jure que je suis remotivé parce que encore une fois le truc c'est que ben moi Donjon Mystère je le trouve cool le jeu, mais j'aime bien l'idée de découvrir et de pas être très fort à un jeu. Et c'est vrai que quand t'as les gens qui essayent de te dire quoi faire. Merci Monsieur Frodon pour ton sponsor YouTube. Merci beaucoup. Allez, vous êtes prêts? Je sais même plus où on en est. Ah, on en est au dortoir. Hein. D'accord. Allez, c'est parti. Oh! Oh, les subs qui marchent! Voilà, les sponsors YouTube. Les sponsors YouTube qui se mettent à marcher. Merci d'avoir repris ce jeu alors que tu aurais pu faire des trucs intéressants. Comme oh là là. Lessive. C'est vrai, j'aurais pu faire mes lessives. C'est incroyable, les subs YouTube qui marchent maintenant. Ah là là, ça va changer ma vie. Ça y est, vous êtes enfin... Tous les sponsors YouTube sont enfin des gens acceptés. Oui, le fond vert, attendez. Oui, je règle ça, attendez. Je règle ça. Le truc, c'est que ça fait tellement longtemps que je suis pas venu sur cette scène que la scène a complètement changé. Voilà, voilà, voilà. Enfin, l'orientation de ma caméra a changé. On voit ta bibliothèque. Oui, bah c'est bon. Voilà, ça me semble très bien là. Regardez, vous êtes contents? Allez. Bon, bref, allez, on y va. Je sais plus où on en est du tout. Alors, ok. Et ça nous ramène à aujourd'hui. Alors, attends, qu'est-ce qui se passe déjà? Noctunoir et moi mettons en stratégie. Nous vous prions de bien vouloir continuer à chercher les rouages du temps de votre côté, c'est tout. Très bien tout le monde, travaillez dur. Ah, oura, garde oui. Le sourire. C'est une boule. Mais c'est de la merde ce Pokémon. Parce que je surkiffais coup critique et émoticône clignant mec, de l'œil. C'est toi qui étais sur Facebook et qui... Putain mec, t'es ouf. C'est toi qui m'a demandé comment me soutenir sur Facebook. Bah merci du fond du cœur, je crois que c'est toi hein. Merci mec, merci du fond du cœur. Merci pour toutes ces années de soutien et merci pour ce gros don. Merci du fond du cœur. On nous a dit de poursuivre les recherches aujourd'hui. Où est-ce qu'on va? Bonne question, on peut s'amuser à chercher partout, on n'a aucun indice. Oh, une seconde! Hier, quand on était là-bas... Bonjour Fidrong, je suis heureuse cette de sensation. Te revoir sur ce jeu. J'ai ressenti la même. DM, taisez-vous s'il vous plaît, merci. Merci Lucky. Merci, merci à vous deux. Oui, c'est ça. On s'est arrêté au sable mouvant, pensait que c'était un cul-de-sac. Mais peut-être qu'il dissimule un secret. Qu'est-ce qui se passe? Tu es encore dans la lune? Ah, bien sûr, je suis toujours dans la lune. Tu veux retourner au désert sable mouvant? Oui. Mais hier, il n'y avait rien là-bas. Ah bah merci Alex62, c'est très gentil. Mais si, car en fait, il y avait quelque chose. Hein? Tu as ressenti la même chose qu'on avec des brumes? Oh bah dis donc. Ça m'avait manqué, Pokémon Donjon Mystère, à dire exactement 6 fois la même chose que... Bon, bref. Peut-être qu'ils vont le répéter encore une fois. Bon, d'accord, Fifou. C'est reparti, on retourne au désert sable mouvant. Ok, je suis chaud. Allez, on y va. C'est par où déjà? Il faut monter, hein, c'est ça. Hein. Alors, je sais plus du tout où j'en suis. Hein. Fifou et bonne Annie et Anne en merde. Où souhaitez-vous aller? Attendez. Est-ce que mon inventaire est acceptable pour... Ah, les pompiers. Dédicace. Est-ce que mon inventaire est acceptable pour les donjons mystères? Alors, on a une résugraine, un concentrorbe et un transforbe. Ça me semble pas mal.
et un échappe-orbe, ainsi que plein de coffres. Ah ouais, mais alors du coup, si je commence à ne pas mettre mes coffres à la banque et mon or à la banque, on est d'accord que les gens vont faire des commentaires. Non, mais je suis tellement riche en plus. Oh là là, regardez. Oh là, j'ai 10 000. J'ai 10 000, mais je suis bien trop riche. Alors attendez, du coup, il faut que je dépose. Alors, la banque, c'est où déjà? Voilà, c'est ça, c'est Kangourex, la banque, hein, c'est ça. Déposer. Que veux-tu déposer? Oui, voilà, c'est ça. Elle pour. Alors voilà, alors attends. Du coup, graines vides, on s'en bat les couilles. On prend des pommes, c'est bien. Des explogaines, pourquoi pas. Guérigraines, ok, on en prend une. Une morviture, ça remplit l'estomac, mais donc on n'en veut pas. Les coffres, on s'en fout. Les morvitures, on s'en fout. Putain, mais pourquoi j'ai des morvitures là? C'est quoi, c'est dégueulasse. Mais stop les. Est-ce que je suis en train de mettre de la morve? Est-ce que je suis en train de mettre de la morve dans ma réserve? Oui. Mais écoutez, peut-être que y a certains Pokémon qui aiment manger de la morve. Où souhaitez-vous aller? Je veux aller au désert des sables mouvants. Est-ce que j'ai mes alliés ou pas? Bonjour. Bon, nous y voilà. Ok. Mais on dirait qu'il n'y a toujours rien ici, juste cette immense étendue. Il faut plonger dans le sable! Et évidemment, ces puits de sable mouvant, on va dedans. Quel genre de secret se cache ici? C'est très léger, mais je le sens quand même. Ah, 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 la diarrhée qui arrive. Cet endroit, je le connais. Ah non, non, en fait, c'est juste cet endroit qu'il connaît. C'était pas la diarrhée, mais ça aurait pu, parce que, vous savez, quand vous... Est-ce que vous voyez, quand vous commencez à être malade, alors, quand vous commencez à avoir un tout petit peu mal au ventre, et que vous avez une sorte de pressentiment, genre, putain, ça va mal se passer, je sens que je vais passer une sale nuit, ou alors, quand vous commencez à avoir mal à la gorge, tout doucement, et vous savez que vous êtes en train de choper un truc. Ah, ça, c'est horrible, hein. C'est le même genre d'impression que vit Fifou, là, tout de suite. Mais une seconde, s'il n'y a que des soublements. Là, voilà la clé du mystère. On dirait que c'est un cul de sac. Mais si, ça ne t'aidait pas un. Oh, incroyable. Nous allons devoir sauter dans les sables mouvants. Tu sais ce que tu fais, Fifou? Tu veux vraiment qu'on fasse le grand saut? Oui. Je te fais confiance. Essayer de voir pour Dynamax et les Poké sur Donjon Mystère continue comme ça file d'Arongma. Sœur et moi, on t'adore plus petit. Merci, Sragorg. Plus petit que 3. Alors, du coup, là, on se tape. Hein. Merci beaucoup, Sragorg. Et bisous à ta sœur et à toi. Là, on a un souvenir hein, de l'époque où. Voilà, du mois dernier. Hein, quand il avait sauté dans la cascade. Merci, j'ai toujours gardé confiance depuis. D'accord. Allez, on y va. On y va. 1, 2, oui, on y va. Bravo, c'est bien. Bon, en vrai, ça fait un peu peur. Moi, personnellement, je le ferai pas. Hein. Oh, il va y avoir des Pokémon de type sol. Ah, oh, mais je suis très avantagé contre le type sol, vous savez. Mais où sommes-nous? C'est une caverne? On a traversé les sables pour atterrir ici. Tu avais raison. Mais j'ai toujours raison. Allez, on bouge. C'est le moment de partir en exploration. La chasse au rouage du temps est ouverte. Oh, mais c'est mes potes. Oh là, c'est vrai. Oh là. Oh là, oh là. Alors attends, stop, stop, stop. J'ai quoi déjà comme attaque? Oula. Mais, je suis trop mongol comme mec. J'appuie sur A. Mais arrête d'appuyer sur A. Mais arrête d'appuyer sur A. Attends. Comment on joue déjà? Ça c'est pour attaquer, mais d'accord. Ok, alors attends. Ok, attends. Il faut que je me réhabitue aux touches. Parce qu'il faut bien comprendre que je n'ai plus l'habitude. Alors attendez. Voilà, c'est sa capacité. Oui, c'est ça. J'ai Vibraquoi, ça tape de super loin. Et comment on fait déjà pour lancer une attaque? C'est Q plus espace. Oui, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Ok, c'est bon, je suis prêt. Un bâton. Non! Ok, alors attends. Voilà, c'est... Oh, 197, la double faiblesse! Oh, oh, oh. Ok, c'est bon. Vous inquiétez pas, tout est géré. Attention, un ingal. Oh, incroyable, ce skill de Fildrong
qui se rappelle les conseils que lui a donné la communauté Donjon Mystère. C'est-à-dire, pour faire venir un Pokémon, on appuie sur A. Ah oui, la carte c'est en haut. Ah là, là, ok, d'accord. Ah oui, mais ah, ok. Allez, c'est bon, c'est bon. On s'y remet. On est chaud. Ok, voilà les escaliers. Allez, on y va. Les. Oh! Comment on fait déjà pour aller sur le côté? Voilà. Non mais, est-ce que je suis sérieusement en train de... Oui, ok, d'accord. C'est vrai qu'il faut que je fasse... Mais putain! Ouais, bon, c'est bon. Oh, fifou, niveau... Mais c'est vrai qu'on est au niveau, on est niveau 26! Oh là là! Primo Kriog, primo magnifique! Garaikaza, tout shiny. Je t'aime, Fifou. Merci de revenir sur ce jeu. Promis, pas de backseat. Ah! Mais j'ai remarqué que c'était moins. Peux-tu monter le son? Bah, le son il est bien, qu'est-ce que vous racontez? Normalement, c'est comme ça que je le mets. Hein. Le son est trop bas? Monte le son, s'il te plaît. On va monter le son, mais... Il est fort, le son, là. Pokémon plus petit que Godzilla. Attendez, peut-être mon micro est trop bas? Non, mais non. Ouais, je penserai... Merci de me conseiller. Le son du jeu est trop bas, vous êtes sérieux? Non, mais attendez, je suis à moins 15 dB. C'est hyper fort, là. Je le vois, le truc, en plus, hein. C'est bon là, c'est mieux ou pas? Enlève le son, s'il te plaît. Oula. Allez. Oh, il monte de niveau. Oh la commu. C'est vous la commu. Baisse le son, c'est insoutenable. La bande de questions. Casse-couille quoi. Putain, ça commence. Là, il est très bien le son. Je le mettrai pas plus haut que ça, les mecs. Là, je suis à moins combien, là? À moins 12 décibels. C'est énorme, moins 12 décibels. Faut bien comprendre que sur les jeux d'habitude, je suis à moins 15, hein, donc... Donc, vraiment... Petit passier. Oh là là! Un Scorupi! J'ai un backseat pour toi, Fidron. Merde. C'est que Mongol. On t'adore. Plus petit que 3. Oh, merci, Riflender. Merci beaucoup. Voilà, mais regardez, on est en train de rouler sur ce niveau grotte sable mouvant. Attention. Alors attendez, on a Vibraquois comme nouvelle attaque. Attends. Capacité, Vibraquois. Oh, c'est ultra fort. Oh là là, Vibraquois. Oh. Merde. Aïe, aïe. J'arrive pas bien le... Oh non, putain. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a Sablero derrière. Il y a un Sablero derrière. Ok. Il a fait mania. Attention, un autre Sablero. Vite. Oh là là, c'est bon. C'est bon, je suis dans la place. Oh là là, regardez. Hop là, un Lumiorb. Ça fait de la lumière, ça fait de la lumière, c'est flash en fait. Et un épouvantorb, ça épouvante. Oh mais c'est... cassez-vous putain. Edin, next. Oula, attention. Ah mais je farme le lait. Ah non, attention, combo griffe, ça fait hyper mal ça. Aïe, aïe, aïe. Pute. Ça fait... Oh, mais je monte de niveau. Non, mais attends, non, je suis pas du tout full life, là. Mais non, je suis à 34 PV. Aïe. Vas-y, vas-y, Jean-Jean, tu peux le faire. Mais t'es trop con. Mais Jean-Jean, voilà. Merci. Putain, Jean-Jean, réflexion man, quoi. Comment on fait déjà pour... Un fucking Miss Dibule.
Oh merde. Oh non, il m'a fait mal avec sa mania de merde. Attendez, il faut que je me soigne. Putain, le con, il m'a frappé. Mais putain, mais mec, il m'a frappé. Je me suis fait frapper. Je me suis fait frapper par un... petit passier. Je me suis fait frapper par mon Pokémon. Merci de rejouer à ça sur le Coran de la Mecque des 5 piliers de l'islam. Voilà, que pense tu de la prostitution, Zobi? Ah écoute, toujours rien. Et tu deviens déjà sourd, hashtag sourdrong. C'est ça. Bah non, justement, j'entends trop. Attention. C'est bon. Oh là là, et on trouve les escaliers directs. Attention. Vivre à quoi, vite. Vivre à quoi. Oh là, 163 dégâts, on fait beaucoup trop mal. Ah mais non, mais les escaliers sont là, je suis con. Attends, t'es sérieux là? Ah c'est bon. Les escaliers sont là, bah oui. Oh là, mais voilà, je me fais plus avoir comme un... Ah merde. Oh là là, non. Oh là, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe, vite, il faut sauvegarder. Je sauvegarde et je continue. Ça fait peur. Cette musique fait tellement peur. Allez, grotte sable mouvant fond. C'est le fond de la grotte sable mouvant. C'est-à-dire c'est profond. Yop, Fifou, je réitère le don car le premier est parti en vacances et content de te revoir sur PDMFAI. Tais-toi qui fait plus petit que 3, plus petit que 3, plus petit que 3. Merci beaucoup. Alors attendez. C'est quoi? C'est équipe, Fifou, tactique groupe. À l'attaque! Oh putain. Je suis devenu beaucoup trop fort. Oh! Oh le combo! Chenipapou! Mais Chenipapou, j'enlève jamais. Hein. C'est presque Chenipou, hein, mais. Oula, morsure. Oh, on est beaucoup trop fort. Trop fort, mon équipe. Attention! C'est vrai que c'est du tour par tour. Faut bien penser tour par tour. Logique tour par tour. La musique est sympa. Attention. Chut, Titor. Ah merde, non. Mais ils sont en mode agressif. Ils y vont direct. Ils s'en battent les couilles. Oh, beaucoup trop fort. Attendez. Capacité, vibre à quoi? Et voilà, donne-moi un orbe. Merci. Vous êtes bien urbain, monsieur. Ah non, ils vont. Parce qu'ils vont. Ouais, mais voilà, c'est ça le problème avec ce. Il est encore vivant? Non, mais ça va pas se passer comme ça, mec. Tu vas mourir maintenant, merci. Ah ouais, mais non, mais il y a des monstres partout. Oh, le gangbang. Un tour rapide qui fait 29. Vous pouvez vous... Ok, d'accord. Et l'autre, il me tape avec sa mania de merde. Attendez, attendez. On était bien en suivant, en fait, parce que... Là, c'est chaud, là, ce qui se passe, là. Ils sont en train de partir dans tous les sens. Calmez-vous, hein, s'il vous plaît. Suivre le meneur. Il n'y a pas une stratégie, genre, intelligent. Vous savez, les fameuses stratégies où, genre, ils bourrinent pas dans tous les sens. Et, genre, ils se défendent. Oh, merde. Oui, mais ma vie. Ma vie, Oh là, oh non, putain, la tempête de sable. Ah, mais super, c'est un... Oh mais non, il y en a un qui est en train de se battre. Contre un Tyrannos. J'ai un Tyrannosif. Pourquoi il est parti se battre contre un Tyrannosif, le Mongol? Commu, non. Attends, stop. Oh, mais j'ai plus de soins après ça, moi.
Oh là là, mais putain, mais ça recommence, ce jeu de mongol là, avec des... où ton équipe est complètement conne. J'ai pas envie de donner la baie à Commu, putain. Mais il est trop con là aussi, là. Ta mère. Juste ta mère, quoi. Juste ta grand-mère, quoi. Il est mort tout seul. Il était là, je sais pas ce qu'il foutait là. Il était là, voilà. Ok. Merci. Oh putain, ça aurait été tellement... Oh là là, mais en plus, je suis en train de me perdre dans tous les sens. Mais regardez! Mais c'est où je dois... Oh putain, c'est à gauche là-bas, là. Oh! C'est terrible ce qu'on est en train de vivre. Ça y est, donjon mystère. Putain, oh, c'était juste en bas, quoi. Tout ça pour une morviture. Oh là, ça commence mal, hein. Ça commence très très mal. Tout ça à cause de mes Pokémon, là, relou, là. Rapion a ramassé une gelée argent. Oh là là, terrible. Attention! Mes petits passiers. Allons de là et arrête de regarder YouTube, va réviser ton bac. Désolé, monsieur, pour le dérangement. Mais... Pourquoi il... Mais je rate toutes mes attaques de merde! Mais... C'est quoi ce mec intuable, là? Relou man. Oh là là, ça sent... Mais regardez, j'ai vaincu Primo Groudon et je vaincrai les Tyranocifs. Ah, j'aimerais bien avoir un Tyranocif. Alors si j'ai un Tyranocif dans ma team, les mecs, mais laissez tomber, quoi. Non mais je connais Voile Sable, les mecs, c'est bon. Je fais de la strat, en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, je tiens une chaîne de stratégie. J'ai tendance à connaître les talents des Pokémon. Au cas où vous aviez pas remarqué. Ah, Fifou level up, c'est bien, ça va me remettre full life, ça. Même pas. Ah non, tiens, ça remet pas full life dans ce... C'est bon. Allez, un repousse-orbe est un échappe-orbe. Ah, Ninja, c'est pas un pote, hein. Ok, ici, ça va se battre, hein. J'annonce, ça va se battre. Ils sont nombreux. Oh putain, trop stylé, là. Oh, quoi? C'était trop cool. Vous avez vu la portée du truc? Trop stylé. Vraiment, trop puissant. J'aurais adoré un ki. Nouvelle strat. Il y aurait tellement de potentiel pour ce jeu. Il l'a tué. Sinon, continue. Il l'a tué à 2 km. Comme ça, fait tout émoticône souriant. Merci, Culture Manga. Petit passier. Tu aimes le manga? Faut mettre initiative pour qu'ils attaquent intelligemment, s'enfoncer comme des trous de balles plus petits que 3. Ah, merci. Ça, c'est, tu voyais, ça, c'est une aide que je prends avec plaisir. Ah, voilà, c'est ça. Il évite d'être frappé en premier. Très bien. Allez, on avance. J'ai perdu un mec, mais... Oh putain, la tempête de sable fait rage, les enfants. C'est terriblement dur. Comment faire? Allez, de l'argent. Ah, oh non! Oh, je me suis fait téléporter à l'escalier. Cassos. Le petit passier. Reste zen, Fifou, on inspire. Oh, on merci. Expire, on inspire, on expire. Mais je suis calme, hein. Tout va bien, hein, les mecs. Hein. Petit passier. Vivre à quoi? Alan, t'es dépendant affectif. C'est quoi les gens qui s'envoient des... qui s'envoient des trucs sur mon live. Oh là là, mais regardez, on est en train de gérer... Non, ça sentait la... J'aurais pas dû aller là. C'était évident que c'était une...
À gauche ou à droite? Tu pourras acheter du pain. Ah bah à droite, à gauche. Bah voilà, hein. En tout cas, il y a eu un message qui a été passé, hein. Merde, putain. Ah putain, ça c'est trop... Oh putain, ça fait mal. Mais oh putain, oh je veux pas mourir, s'il te plaît. Combien de miss, les mecs? Combien de miss? J'ai miss 6 fois le sablero! J'ai miss 6 fois le putain de sablero! Mais nique ta race au bout d'un moment! Putain! Le axe qui me suit même dans... Même dans ce jeu. Oh là, les level up. Oh, Johnny Papo qui est du même niveau que les autres. Hein. Et bah forcément. On éteint tous les incendies, on retrouve les chats dans les arbres pour que tu lives en sécurité, cœur rouge. Merci les pompiers. Oh là là, regardez, tout ça pour ça. Tout ça pour rien. Regardez ce... Tout cet endroit avec les dégâts en plus là, qui te font perdre un... Ah putain. Oh là là, c'est reparti. Lui j'ai... Attends, t'es sérieux? C'est un combat là? Ah oui, c'est un putain de combat. Non mais attends, c'est une putain de blague là. Bye Wayne, c'est vrai, je dépends beaucoup de l'affection de ta sœur. C'est quoi ce truc? Petit passier. Non. Mais c'est quoi ça? Je suis pas dépendant affectif, tu le sais, le bac STMGC dans la poche, voilà. Mais c'est quoi ce truc? Utilise un orbe. Ouais, j'avoue, je vais utiliser des orbes, attendez. Ça fait quoi ça déjà? Transforme un Pokémon. Permet de s'enfuir. Je peux m'enfuir. Mets les ennemis à l'arrêt. Oh putain, c'était trop stylé ce que j'ai fait. Vous avez vu ou pas? Prends la fuite? Ah d'accord. Mais non, mais ils vont attaquer là, ils veulent m'attaquer, c'est con. Attendez. Cassos, ok, ok, je me casse. Alors attendez. Du coup, équipe. Suivre le meneur. Non, attends, non, il faut que je fasse prendre la fuite. Sauf qu'il peut! Oh, je crois qu'ils sont pas très loin de moi, mais ils... Oh mon dieu, ouais, ça sent... Mais j'aurais jamais dû fuir, les mecs, hein. C'était une mauvaise idée, à mon avis, hein. Si vous voulez mon avis. C'était une très mauvaise idée. Parce que là, du coup, ils sont tous autour de moi, en fait. Bah... C'est une très mauvaise idée, ce que j'ai fait. Parce que là, c'est un... Non, mais les mecs, vous m'avez... Bon, bah, je m'échappe. C'était une très mauvaise idée de fuir en vrai, hein. On a lamentablement échoué. Non, on a survécu, c'est le principal. Utilise ton épouvante orbe pour les faire fuir et cours dans l'autre sens. Ce n'est pas une sinécure, mais on se rapproche du hut. Et du coup, j'ai plus mes potes là? Alors attends. Du coup, il me faut des trucs. Ah mais non, je peux juste sauvegarder, il donne pas la réserve lui. Ah merde, mais attendez, du coup j'ai plus mes potes, non? Oh mais j'ai plus mes potes! Mais j'ai plus Chenille Papou. Mais merde. Aïe, on j'ai va plus rien du coup là presque. Venir chez toi fifou, pas de gestes brusques, reste en PLS le temps que ça part.
ce... Du coup, il faut que je remette ma stratégie. Ah ouais, c'est chiant. Bon. Bah écoutez, hein, c'est la vie, hein, comme on dit. Hein. C'est la vie. Hein. Mais ça, c'était pas la quête, du coup, on me dit. On me dit, là, dans le chat, que c'était un événement aléatoire, en fait. Je crois que c'était, genre, le boss final, en fait, moi. Oh là là, putain, mais je déteste. Pourquoi tu peux rater tous tes moves dans... Je crois qu'il était supposé ne... Je crois que l'initiative... C'est pas clair. Hein. Il fallait juste reculer d'une case et te les prendre un par un. PS, Che. D'accord. Petit passier. Comment a été votre premier viol en réunion sur Pokémon? Petit passier. Merci beaucoup. Pousse les enfiles dans un corridor et prends les 1 à 1, leur nombre... Pas de backseat, s'il vous plaît, surtout pas en don. Je vais skipper les dons backseat, hein, je vous promets. Hein. Je vous ai demandé de pas le faire. Dans le chat, j'arrive à les gérer parce que du coup, je regarde pas le chat. Mais si vous commencez à me pourrir mon live avec des dons toutes les 30 secondes me disant ce qu'il faut faire, je vais skipper vos dons. Hein. S'il vous plaît. À chaque fois qu'il y a quelque chose... En fait, tant que tout se passe bien, ça va. Puis à partir du moment où il se passe quelque chose pas très bien, ou que je fais quelque chose pas comme un pro-gamer de Donjon Mystère, ça y est, ça commence à pleuvoir en mode « Tu devrais faire ça, fais ça, fais ça. » S'il vous plaît, laissez-moi jouer. Tout va bien. Regardez, j'ai pas perdu tous mes objets en plus. Tout va bien. Tout va bien. Regardez. Bon, il y a la tempête de sable, c'est casse-couille, mais à part ça, ça va. Je me demande si j'aurais pu avoir un Pokémon de type sol dans mes potes. Pour pas qu'ils prennent la tempête sable. Hein, parce que là, c'est... En vrai, regardez, vous m'aviez dit que le mode initiative, c'était bien, mais... En fait, c'est quoi la différence entre initiative et à l'attaque? Il y a aucune différence, là. Genre, il fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il fonce dans tous les mecs. Oui, c'est bien dans initiative. Le Pokémon évite d'être frappé en premier. Je comprends pas la différence vu que de toute manière ils y vont donc mais bon. Calme-toi en tout cas Ronflex s'il te plaît. Goinfrex. Calme-toi. Arrête de foncer dans les gens s'il te plaît. Moi je veux juste une option genre le Pokémon quand vous êtes au contact d'un autre Pokémon va se déplacer. Mais je crois qu'il faut le faire à la main en fait. Allez, c'est bon, on avance vite. Attention, il y a un mec qui dort. Oh, mais là, il va y aller. Il va y aller parce qu'il est en mode initiative. Donc du coup, vous savez quoi? On va le remettre en mode suis-moi. Attends. Capacité. Non, attends. Ouais, c'est ça. Pardon. Suivre le meneur. Voilà, suis-moi et arrête d'être agressif. Il vient de lancer une morviture, ce gros con. Alors qu'il est en mode suivre le meneur, il a lancé une morviture sur un Pokémon. Non mais, c'est quoi cette agressivité, mec? Calme-toi, t'as des problèmes avec ton agressivité, là. Ça ne se fait pas. Oh putain. Pourquoi il a joué alors que j'ai pas joué? Oh, le vibre-obscur. Ah, ça fait mal. Oh, regardez, le ninjas nous a pas vu. Oh, le ninjas nous a pas vu. Oh, on a esquivé le ninjas. Vous avez vu comment on a esquivé le ninjas? Attention, un hippopotasse. Oh là là. J'ai peur. J'ai si peur. J'ai pas de vie. Vite. On s'enfuit. Putain, j'ai pas de vie et je peux pas me soigner, je crois. Ah, c'est terrible. Ok, faut jouer stratégie, faut se protéger. Petit passier. Pif! Je viens de buter le moustique qui me faisait chier depuis tout à l'heure, sable héros et cancer Dan. Est-ce ce jeu sous la tempête de sable? Oui, j'ai vu, merci Bitan Bois Bouillave.
Primo Kryok, Primo Kronon, Mea Garaikaza, tout shiny. Il perd face à Tyrannisif Grimace, on dirait un titre de nouvelle. C'est vrai. Le souterrain. Oh putain, ça y est, j'arrive dans une zone. De type passier. Un mois et demi que j'attends ce live. C'est... En espérant que ça se passe bien. Bon live. Merci beaucoup, Gigago. C'est... De type passier. Qu'est-ce que c'est? C'est fantastique. Drong, qui l'eût cru? Je cherche tes vidéos sur Pokémon Reborn, mais je ne les trouve pas. Tu peux m'aider? Elles sont... S'il te plaît, elles... cœur sur toi. J'y ai joué... Avant que je fasse des... Enfin, j'y ai joué quand je... J'enregistrais pas mes lives à l'époque. C'était sur Twitch. Un immense lac souterrain. Regarde, il y a quelque chose qui brille au loin, par là-bas, cette lumière. Je suis sûr de l'avoir déjà vu quelque part. Ça y est, j'y suis. C'est la même lumière qu'au lac des brumes. Mais c'est le rouage du temps. Mais oui. Allons voir ça de plus près. Il fait tout noir d'un coup. Attendez. Quoi? Qui êtes-vous? Ouah, qui a dit ça? Que faites-vous ici? Ce qu'on fait ici, on est juste à la recherche d'un rouage du temps. Bah les pattes, laissez ce rouage du temps où il est. Ou sinon, je vous règle votre compte. Ah, c'est mes sprites. Je m'appelle Créfollet. Je protège le rouage du temps du lac souterrain. Tu protèges le rouage du temps? Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Je ne vous laisserai pas vous en prendre au rouage du temps. Tu ne nous laisseras pas nous en prendre au rouage du temps? En garde. En garde. Mais non, mais on va pas se battre. Oh mais non, mais on avait dit qu'on se battait pas. Petit passier. Oh là là. Eh Fildrong, tu penses pas que les attaques Z ont quand même peu de chances de revenir, sachant que Dean a max boost les attaques de la même façon. On verra. Je veux pas parler de Pokémon là, je suis désolé. Ok, on commence avec Abri. Je me protège. Et il a envoyé un pic d'argent, ce con. Ok, alors attends. Ok, maintenant, on va utiliser un concentre-orbe. Non, j'ai rien d'utile. Ah si, j'ai un immobilise-orbe. Une force mystérieuse. Non mais attends, what? Pourquoi ça a pas marché? Objet. J'ai une explograine là. Mais ça fait zéro. Tu peux arrêter de lancer des pics d'argent, espèce d'abruti? Attends, 3 secondes. Comment je fais pour le... passier. Metal Gear? J'ai morsure. Oh, les dégâts qu'il a pris! Il a été paralysé! Il a pris 150 dégâts! Ok. Alors, capacité, morsure, super efficace. Arrête de lancer des pics d'argent, espèce de mongol, putain. Excusez-moi. Comment je fais pour qu'il arrête d'utiliser mes objets de merde, en fait? Objets. Pourquoi il utilise des pics d'argent? Tu peux utiliser tes attaques? Comment on fait pour... Attends. Comment je fais pour décider de quelle lutte? Équipe. Jean-John. Puis, voilà, c'est ça. Maître des objets. Désactiver. Voilà. Petit passier. Les orbes ne marchent pas contre les boss. Oui, j'ai cru comprendre, en fait. Merci, merci beaucoup, mais... Ok, c'est bon, là, il va plus utiliser d'objets. C'est bon, il utilise plus d'objets, donc ensuite, capacité, morsure, encore. Je suis beaucoup trop fort pour toi, j'ai vaincu un légendaire. Arg! Arg! Mais je ne peux pas vous laisser prendre le rouage du temps. Bah si, on va le prendre. Tu veux bien m'écouter 2 secondes? On n'arrête pas de te répéter qu'on n'a pas l'intention de le voler. On l'a jamais dit, en fait. Épargnez-moi vos mensonges, je sais tout, Créelf m'avait averti par télépathie. Je sais que le rouage du temps du lac de brume a disparu. Quoi? C'est Créel qui t'a averti? C'était vous, n'est-ce pas? Mais non! Oh là là! Mais attendez, mais c'est un quiproquo, monsieur! Alors, en fait, vous avez mal compris, parce que moi, j'étais là, mais en même temps, je suis parti. Et après, j'ai fait, ouais, c'est super cool comme endroit et tout. Au bout d'un moment, je veux dire,
confondez pas, j'imagine que c'est de moi que vous parlez. Oh. Mais qui est-ce que ça peut bien... Qui est-ce que ça pourrait bien être? J'imagine que c'est moi, de moi dont vous parlez. Pourquoi il saute comme une grenouille? Qui va là? Masco! C'est Masco! Vous m'envoyez navré, mais je vais m'emparer de ce rouage du temps. Ouah! Écarte-toi, oula. Jamais! Je ne te laisserai pas t'emparer. Putain, mais c'est un connard, Masco. Masco, il est méchant. Alors tu ne me laisses pas le choix. Il frappe un homme à terre! Oh là là, Greffolet, non! Tu es vaincu. Oh, c'est une fille, regardez, il y a un E. Et tu as subi de sérieux dégâts. Oui, mais c'était moi, en fait. Un conseil, n'insiste pas. Non, mais... Non. Il nous faudra nous passer sur le corps. Ouais, vas-y. Ouais, je le défonce. Oh, je te défonce. Je te défonce. Entendu, désolé. Ah, il est bien trop... Fort. Beau. Sexy. Rapide. Oh! Bah merde, alors. Excusez-moi, ça n'a rien de personnel. Mais je vous pète la gueule quand même. Arg, le rouage du temps, ce volage est en train de s'en emparer. Je suis désolé. Putain, mais Greffolet, c'est une meuf. Attendez. Mais je suis désolé. Ce ne doit pas être de vous que Creel parlait, mais de lui. Excusez-moi d'avoir douté de vous. Ouais, je sais, c'est ma one meuf spéciale. Je sais, je suis efficace. Oh non, c'est une catastrophe. Sortons d'ici au plus vite. Mais pourquoi ça? Ah, je sais pas. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est très mal fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Ouah, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de ce voleur qui a pris le rouage du temps. À cause de lui, dans toute la région, le temps va s'arrêter partout autour du lac souterrain. Quoi? Il faut faire vite, sinon le piège temporel va se refermer sur nous. Courez aussi vite que vous pouvez. Regardez comment il court. Oh là, ça c'est de la course, hein. Il marchait lentement, hein. Les nuages se sont dissipés au-dessus des grottes, de la grotte sable mouvant et dans les environs de la région aride. Merde, j'ai pas sauvegardé, quel con. Chapitre 12, la seule évolution. La seule solution. Merci de votre contribution à cette enquête. Greffolet est sous notre protection, nous assurons sa sécurité, Zit. Nous consacrons toutes nos forces à la capture de Masco. D'accord, nous devons tous coopérer pour mettre ce criminel sous les verrous. Oh là là, Masco, le fils de pute. Je savais que c'était un méchant. Mes aïeux, je n'arrive pas à y croire. Alors, il y avait un lac enfui dans les profondeurs du désert du Nord. Et ce n'est pas tout. Un rouage du temps y était caché. Oui, mais en parlant de ce rouage du temps, Masco s'est enfui, s'est réveillé. Comment on n'avait pas été gaffe? Oh, arrêtez de vous plaindre, là. Moi aussi, je suis de cet avis. L'équipe Zizi Quest. Ah, c'est vrai qu'on s'appelle Zizi Quest. Peut vraiment être fier de sa découverte. Quel dommage que ce soit fini comme ça. Et on n'a rien pour nous indiquer la marche à suivre maintenant. Et dis donc, si seulement on avait un petit indice. Nous ne pouvons qu'abonder dans ce sens. Où donc Masco frappera-t-il la prochaine fois? Serait-ce à l'endroit où est le dernier rouage du temps? Il est dit que Creel est l'être du savoir. Et Greffolet l'être de l'émotion. Oh là là, mais il y a un troisième Pokémon! Oh, tu veux dire qu'il y a un autre rouage du temps? Et Masco, qui a volé tous les rouages du temps, va aller voler le dernier rouage du temps? Bravo! Mais c'est niveau Dora l'exploratrice, Pokémon Donjon Mystère, putain! Oui, certes, le dernier s'appelle Greffadet. Creel et Greffolet protégeaient tous les deux des rouages du temps. On peut en déduire qu'il en va de même pour Greffadet. Oh, bah dis donc! Si on arrivait à le localiser, on localiserait l'emplacement d'un rouage du temps. Et Masco va sûrement s'y rendre. Oh, bah, et bah alors. Oh bah dis donc, il est intelligent. Alors, Eoko, c'est le plus intelligent de toute la, de toute la guilde. Hein. Ont tous les trois la réputation de résider près d'un lac. D'accord. Près d'un lac, le lac de Creel était situé à cette altitude, dans les profondeurs d'un désert, des lieux inattendus. Le lac de Creel doit également trouver, se trouver quelque part où on ne l'attend pas.
Ça y est, j'ai compris. Vous pensez qu'on doit chercher dans des endroits où il n'y a pas d'eau en temps normal? Mince alors, vous êtes si brillant. Je t'aime et ah, moi incroyable. Je te ferai des patrons de plus petits que 3. Ouais, bah go MP alors. C'est tout naturel, merci beaucoup. Nous aussi, nous avons beaucoup d'admiration pour vous. Ah, mais vous pouvez arrêter de vous entre-sucer là, c'est terrible. Vous aviez raison. Monsieur Noctunoir, oh, vous êtes trop fort. Eureka, que nos torts. Vous m'avez demandé, pardi, qu'est-ce que je peux faire pour votre bon plaisir? J'ai quelque chose à te demander. Le cristal que tu as ramassé, puis-je te l'emprunter? Mon cristal? Non, pas mon cristal, sapristi. Oh là là, regardez, ils sont exploités. Attendez, je prends ma voix de BFM TV. Au journal ce soir, exploitée par une guilde qui leur prend 90% de leurs revenus, elle souhaite désormais leur prendre leur possession personnelle, tel ce bijou de famille hérité de sa grand-mère. Ali M, non modifié pour respecter l'anonymat, témoigne. Oui, alors j'ai travaillé dans cette guilde et déjà ils me prenaient 90% de mes revenus. Et là, un jour, ben, j'avais trouvé un petit cristal et je comptais le donner à mes enfants et ben, ils me l'ont pris. Ah, terrible, évidemment. Et tout de suite, nous retrouvons Jean-Michel Pitouba qui élève des cochons, mais pas avec n'importe quelle nourriture. Figurez-vous qu'il les élève avec de l'orangina orange avec pulpe. On retrouve tout de suite sur le terrain... Ginette Presson. Ginette, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très très bien. Bref. Rassure-toi, je te le rendrai. Ah, c'est bon, tout ça pour rien. Oh là là. Touche le cristal de Kenotor. Ok. Touchons le cristal de Kenotor. Si jamais la caverne cristal n'a pas révélé tous ses secrets, quand, touche... mon quand... Mon chrono, quand il touchera le cristal... Quand tu arrives à prédire le scénar de Donjon Mystère. Merci beaucoup. Cela déclencherait peut-être un cri dimensionnel, une vision. Ah ouais, vas-y, vas-y. Nostradadrong, allez, c'est parti. C'est une faculté particulière de Fifou. Bah mince alors, c'est vrai? Et dis donc, ça existe vraiment un tel pouvoir? C'est pour cette raison que je souhaite emprunter le couloir. Oh. Allez, prête-moi ton cristal. Que Notor confie le cristal. Vas-y, cours, cours! Que va-t-il nous apprendre? Je ne sais pas si je vais avoir une vision. Il faut que je me concentre. Alors, Fifou? Oh, il y a un truc. Ça vient! De petit passier. Suite à ce moment, imitation, un seul mot, à l'aide. Merci, Frodon. Je commence à perdre mes esprits. Ouh là là. Regardez la tête qu'il fait! Et elles sont où, ses mains? Oh! Arg, arg. Et maintenant il a... Non mais attends, mais Masco, il a des bastades de merde, alors Crefader. L'orage du temps est à moi. Non, tu ne l'auras pas. Jamais. Oh, il s'est fait voler son cristal. Putain, ils sont nuls les légendaires. J'ai vu Masco en train d'essayer d'en s'emparer d'un rouage du temps. Il y avait aussi un autre Pokémon. Crefader peut-être, en tout cas. Le cri dimensionnel s'est bien et bien déclenché au contact de ce cristal. Tu as vu quelque chose? Mais du coup, il parle en fait. Ah oui, voilà, c'est ça, il parle en fait. Pardon, tu as vu Masco mettre un autre Pokémon KO? Et ensuite, il a essayé de voler un rouage du temps. J'hallucine, il est trop cool ton pouvoir. Comment t'as fait pour voir tous ces trucs-là? Je vois dans le futur que dans les 3 prochaines minutes, un conseil sur Pokémon Donjon Mystère me sera donné dans le chat. J'espère que... Normalement, là, j'ai fait une prédiction. J'espère qu'on verra si elle se révèle, si elle se révèle vraie. On va voir. Ce Pokémon inconnu, tu crois que c'était Crefader? Moi aussi, j'ai une question. Ta vision concernait-elle un événement passé ou à venir? Un conseil, fais gaffe à notre... Ah, j'avais raison, hein, déjà un conseil. Vision du passé, je ne sais jamais vraiment si mes visions... Bon, dans ce cas, puisqu'il est impossible de le savoir, alors imaginons que ça concerne un événement passé. Le voleur s'est peut-être déjà enfui avec le rouage du temps. Quoi? Tu insinues qu'il est peut-être déjà trop tard?
Gardez votre calme. En effet, il se peut que... Mais l'inverse est tout aussi plausible. Peux-tu nous rappeler ce qu'avait dit Créfalé? Il s'agissait de Créelf. Oui, c'est bien ça. Je passe hein, les trucs comme ça, hein, parce que c'est chiant. Je ne connais ce nom que parce que vous venez de le mentionner. Tout n'est pas perdu. Ok. La vision de Vifou viendrait sans doute du passé, mais ce n'est pas le cas. Créfolé n'a pas évoqué Créfadé. Par conséquent, il se peut que la vision concerne un événement à venir. Ou alors, ça vient de se passer, abruti, mais d'accord. En touchant le cristal, c'est débloché. Bon, j'accélère un peu, parce que voilà, j'ai... Ok, la caverne cristal, on y va. Allez. Ouais, on doit y aller. Ouais. Maître Maître. Oh, il dort. Maître, vous êtes avec nous? Il dormait. Oh là là, terrible. Et dis donc, c'est une blague ou quoi? Non, on dirait bien que le maître dormait. Comme le maître est séduisant. Oula. Tu crois qu'il dort depuis le début? Oh non, ça ne va pas du tout. Tout le monde va se rendre compte que le maître s'est endormi. Il faut que je trouve un moyen de le réveiller. Maître! Hein? Maître! Pijako! Oui, maître. Plutôt, oui, maître. Pour commencer, il y a eu... Tous ensemble, poursuivons Masco. Tada! Ok. Hourra! Allons à la caverne de cristal. Hourra! Pardon, excusez-moi. Allons-y aussi! Super. On va à la caverne cristal parce qu'on est vraiment tous des super amis. On va sauver le monde de Pokémon car un Créfadet n'est pas capable de vaincre un Masco. Je sauvegarde. Hein. Ce dialogue a duré 9 minutes. vas-y, il faut que je récupère mon chenipapou. Ah non, attends, quoi, non? Non. Non! Ta mère! Congédié. Membre, voilà. C'est ce chenipapou, là. Hein. Et... Il est où, la commu? Ah, il est là. Et la commu, voilà. Bonne chance pour votre exploration. Mais merci. Merci du fond du cœur. Mais regardez, j'ai gagné tellement d'argent. Attends. On va prendre les coffres. On va faire un peu de gestion, là. Parce que il nous faut gérer, là. Non, attends. Mais, putain. Oui, bon, d'accord, si tu veux, on va déposer... On va... Attends, comment on remplit déjà... Comment on... Comme ça, voilà. Alors, c'est parti. Morviture. Petit passier. Yo, Fifou, ma copine regarde ton live et ça fait 6 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. Tu peux lui souhaiter un joyeux anniversaire d'amour. Bon anniversaire, m'amour. Écoute, toi qui en es au stade où tu rotes et tu pètes devant ton mec, n'oublie pas qu'il a une sensibilité. Et d'ailleurs, c'est valable pour le mec aussi. Hein. Et bonne chance pour les 6 années suivantes. Voilà. Allez, retirez. Alors, on a plein de trucs, attendez. Donc, on a des rubans citron, des morvitures par passion... Alors, on va retirer tout ce qui... Merde, attends, non, c'est pas ça. Ouais. Alors, voilà, baie cerise, bébé, on s'en fout, les baies. On va sortir une explo-graine, des graines vides, on en a plein. Pétri-graine, on va en sortir une aussi. Je crois qu'on commence à en avoir besoin de ces trucs, donc... Putain, j'ai tellement de trucs. Mais regardez, j'ai tellement de trucs, j'y comprends rien. Permet de s'enfuir du donjon... J'aime bien le... Champouti, brasé galgriffe. Voilà, c'est bon. Oh là là, mais c'est de la gestion ici. Alors attends, c'est Xatu, c'est en bas. Ouais, c'est ça les coffres. Hein.
Bon, j'accélère, hein, parce que c'est chiant. Des trucs spéciaux. Carte le vénard. Encore un truc spécial de merde. Baudry souffle. Germigriffe. Une gelée brune, ok. Eh ben, putain, ça m'a coûté 1000 balles. Putain, 1000 balles. Oh, terrible. Allez, Carabaf, Méganium, Levena et Ronflex. Oh là là! Mais attends, mais comment j'ai un Ronflex un jour? Bon, allez, on est bien, là. Je vais acheter une Zerizu Grain, je crois que j'en ai plus. Bon, c'est un peu cher, mais bon. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai aventurier. C'est à sa capacité à être réservé. Bref. Allez, c'est parti. Bonjour, je te donne mon argent. Où souhaitez-vous aller? Allez, c'est parti, on est prêt. La caverne cristal. Ah, c'est parti. Voici donc la caverne cristal. Quelque part dans cette caverne, on doit trouver un passage qui nous mènera au lac de Crefadet. Descendons aussi profond que possible. Ça m'aurait étonné, hein. Oh là là, mais regardez mon équipe au complet. Qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout l'autre? Mais attends, mais stop! Mec, stop! Qu'est-ce qu'il branle? Mais suivre le meneur, tu sais ce que ça veut dire, Brutiman? Mais viens me... Merci. Relouman, quoi. Oh, il y a des gravalanches. Il a polyroche. Oh là. Super. Tout ça parce que j'ai raté ma première attaque. Mais tout va bien. On reste bien calme, hein. Ok. Deuxième étage direct. Ouh. Oh, double kill. Dop. Merde. Ça a l'air fort, Polyroche, dans le jeu. Hein. Non, ça, c'est un cul-de-sac. Quel stress. Vous savez, c'est le stress des examens. Oh, d'ailleurs, le bac, c'est... Oh, putain. Gangbang en approche. Mais putain. Oh, il est fou, lui. Ah, l'enculé, quoi. Oh, il a peur. Aïe. Oh. Ah. Calme-toi, putain. Putain, mais vous avez vu comment... Merde, j'ai oublié les béorans. Oh mon god, j'ai pas pris de soin. Mais je suis trop con comme mec. Oh là là, terrible. Vite. Comment allons-nous faire? C'est bon, les level up. Comment je passe à un nouveau supérieur? Incroyable. Mais... Oh... Merci. Des sous, de la gelée. Une pure graine. Oui, qu'est-ce que ça fait, une pure graine? Ça téléporte à l'escalier. Ça téléporte à l'escalier. Mais c'est le meilleur objet du jeu. Fauchage. Super utile, fauchage. Hein. Téléporte à l'escalier. Mais c'est le meilleur objet du jeu. Attention, il y a un sévipère dans les parages. C'est
très 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 suspect. Attention, un bel doom. Tout va bien. Bon, c'est bien ici. Terral. Oh, bien sûr, on va l'appeler. On va l'appeler Terrine. Je pense qu'il y a une faute. Attends, c'est deux N ou un N à Terrine? Non, c'est un N. Terrine le Terral. Parfait. Au revoir, Terrine. Magnifique. Mais là, mon équipe me plaît, donc... Terrine, la Terrine. Oh, le voilà! Ah, la pute! Ah, il fait tellement peur, lui. C'est bon. Oh, une nouvelle capacité. Hydroqueue! Attends, je peux faire la description détaillée. Ah voilà, c'est physique et ça coupe les angles. Taux de réussite. Attends. Il a plus de taux de réussite que pistolet à eau. Mais il a moins de puissance que pistolet à eau. C'est quoi le mieux, hydroqueue ou pistolet à eau? Dans le jeu, en stratégie, ce serait hydroqueue, évidemment. Il y a même pas de comparaison, mais... 50% de précision seulement. Autant de réussite, mais plus puissant. Mais attends, mais j'ai mal lu? Le taux de réussite, il y a 5 étoiles, et le taux de puissance, il y en a 6, et là... Le taux de réussite, il y a 6 étoiles. Et là, le... Ah oui, d'accord, en fait, oui, je confonds. Et vivra quoi, alors? Oui, mais vivra quoi, c'est trop bien. Mais du coup, j'enlève quoi? Morsure? Oh, mais je vais pas avoir 3 attaques de type O. Pistolet à eau, il y a plus de PP. Mais du coup, j'enlève quoi? Vibra quoi, hydroqueue ou pistolet à eau? Vous m'avez dit, abru, c'est bien, mais morsure, je me vois pas enlever... Morsure, faut le garder. Oui, c'est ça, ouais. On est d'accord. Hydroqueue. Enlève pistolet à eau. Oh là là. Bon, allez. Vous savez quoi? Je vais prendre la décision tout seul et assumer. Merde, attends, j'ai plus de capacité en raccourci, du coup. Merde. Tu peux utiliser hydroqueue? Ah bah voilà, putain. Moins 330! Oh, les dégâts! Comment vous m'avez dit qu'il faut faire déjà? Non, attends. Comment on fait déjà pour passer le temps vite? Parce que vous m'aviez dit que faire ça, c'était pas bien, qu'il y avait un autre truc à faire. C'est B plus A, oui c'est ça, ouais. Ah voilà, c'est ça, super, merci. Non, un chenizel. Merci. Attention, il dort. Mais putain, mais... Wouah, trop de puissance. Hydroqueue. En plus, avec hydroqueue, on peut faire des blagues. Alors, pistolet à eau, on peut pas faire de blagues. Super ce jeu. Attention. Oh mais il est magnifique. Allez, épisode 9. C'est un cul de sac. Et ceci. La musique est sympa mais elle se répète un peu là.
Je suis moins fan, hein. J'ai l'impression que j'ai entendu 8 fois cette chanson, en fait, c'est le problème. Eh, mais les mecs, c'est problématique, hein. Mais putain, mec, s'il te plaît, sérieux. Merci. J'arrive pas à faire le... à bien faire le... Fuyez! Fuyez, pauvre fou! Allez, je le sens bien, là. Vers le haut, pas du tout. Attention! Un méchant! Chenille Papou est dans la place. Ouh, il a mur de fer. Mais il est trop fort. Mais Chenille Papou, il en a rien à battre. Beaucoup trop puissant. Ah! Ouais, faut... En fait, faut le faire... C'est pas vraiment appuyer en même temps, c'est appuyer d'abord sur Q et ensuite sur A. Tom, tom, tom. Tom, tom, tom. Attention, la fin commence à se faire sentir. Ah, mais c'est bon, en fait. Je viens de trouver comment réussir à chaque fois l'attaque. Oh, attention, une nouvelle attaque. De type acier. J'ai été pris d'une folle envie de t'expliquer le ratio optimal entre puissance et précision. Alors, pour me punir, voici l'argent du backseat. Merci, Riflender. Et merci d'éviter. Bon, il a voulu apprendre à Val, mais bon. Mais t'es pas très sympa avec lui, là. Le pauvre, il avait rien demandé, il dort, mais il faisait la sieste. Tu fais ta sieste et tu te fais tuer, quoi. Ah, ok, c'est bon. J'ai trouvé la technique pour que ça marche. Dinoclier! On va l'appeler Dinoël. Tout le monde doit dire Noël dans le chat, s'il vous plaît, maintenant, du coup. Ok. Tout le monde doit dire Noël dans le... Ok, c'est bon. J'arrive bien à le faire, maintenant. Mais putain, mais... Oh, vent argenté, ça a l'air stylé, ça. Alors, attends. Info. Inflige des dégâts à tous les ennemis dans la salle. On va oublier Tornade, hein. On va oublier Tornade. Oh, chenille papou, vent argenté. Que 7 pp, mais alors ça a l'air ultra vénère. Ah merde, j'ai une explograine, mais je peux pas la prendre. Bon, c'est pas... Ah oui, mais attendez, j'avais faim, c'est ça. Hein. On va manger une pomme. Faudra que je pense à remanger des pommes aussi. Oula. bah merde alors, putain, ça y est, je me tape toute la carte là pour le coup. Je suis sûr que c'est en haut là-bas, là, au centre là. En même temps, c'est du pif total, hein. C'est vraiment, alors ça, t'as aucun indice. Ah bah, super. Bon, on va dire que c'est à gauche. Il y a un passage à gauche. Hein. Oh, c'était à gauche. Bon, ça va. C'est moins pire. Fifou attaque Hydro que et Jean-John attaque Aval. Es-tu sûr de ne pas t'être trompé de jeu? Bon. Ah bah non, justement, au contraire. Life plus petit que 3. Merci Blaster. Est-ce que c'est le fond de la caverne? Regarde Fifou là-bas. Regarde un peu ces trois cristaux, ils sont énormes. Et ils sont de couleurs différentes. J'ai envie d'utiliser la capacité Aval. En venant ici, on n'a rien vu qui sortait de l'ordinaire. J'ai bien l'impression que la clé du mystère réside dans ces trois cristaux. Alors moi, je vois un Kangourex, donc ça veut dire qu'il faut que je continue, je pense.
Ça expliquerait tout, j'ai la même impression. On a rencontré Créelf. Oh non, putain, mais... Mais je me rappelle, c'était il y a 2 mois, mais je me rappelle. C'est une grison qui court. La dépendance affective d'Alan envers Thomas est présente, it's bushy time. D'accord. C'était les sables mouvants qui cachaient le dessin. Est-ce que ces cristaux garderaient l'accès au lac de Crefadet? Il y a un secret. Oh, le cristal change de couleur. Oh, le cristal change de couleur. C'est sûrement lié à la solution de ce mystère. Touche les cristaux. Oh, magnifique. C'est vrai, la couleur. Il peut prendre diverses couleurs. Waouh. Ah, Arg. Oh, ça recommence. Le cri dimensionnel. Le cri dimensionnel. Attendez, 3 secondes, je vais juste allumer la lumière chez moi parce que sinon le spot me défonce quand il n'y a pas de lumière ambiante. Voilà. Parce que je commence à avoir mal aux yeux parce que j'étais dans le noir. Je vois parmi les 3 éléments spirituels du savoir, de l'émotion et de la volonté, Crefadel, les traits de la volonté, ça nous dit que c'est un pouvoir fédéré, c'est créer l'harmonie. Oui, bon, c'est bon. Ah, on dirait... Oh là là, vous savez ce qu'on dirait? Oh là là, attendez, je peux vous faire un montage? De quelle couleur la Crefadel vit dans l'électricité? Voilà. Attendez, attendez. Merde, non, je voulais faire un truc. J'ai juste entendu une voix. Non, c'est faux. Ça s'est déjà produit une fois devant la statue de Groudon. Là aussi, je n'ai entendu qu'une voix. Comment ça se fait? Pourquoi je n'ai entendu qu'une voix? Mais je voulais faire un truc trop cool. Oh là là, merde, déçu. J'avais envie de faire un truc trop cool. Est-ce que tu as vu? D'après la voix, Crefadel est de la volonté. Tous les cristaux en harmonie. C'est ça, je dois toucher les cristaux pour qu'ils prennent une seule et même couleur. Mais moi, en même temps, vous voyez, je vous imagine à 6 ans découvrir avec incroyable joie Pokémon Donjon Mystère. Et je peux pas vous en vouloir qu'ils mettent 3 minutes alors que s'ils m'avaient laissé, j'aurais compris en 2 secondes qu'il fallait que je le fasse. Mais bon. Quoi? Les 3 cristaux doivent être de la même couleur. Attends, maintenant, on va le dire à Goinfrex. Goinfrex va le répéter. Quelle couleur choisir? La couleur de la volonté, la couleur de l'esprit, la caverne cristal et le lac cristal. L'esprit de Crefadet serait-il limpide comme le cristal? Ou plutôt de la couleur d'une eau cristalline? On dirait que tu es sur une piste, je te laisse faire. C'est bon, je peux jouer? Oh putain, merci, je peux jouer. Oh, je vais sauvegarder surtout. Ouais, la couleur bleue. Incroyable. Attention, vous êtes prêts. Cinématique. Ouah, tremblement de terre. Ouah. C'est dangereux aux abris. Ah bah cette fois il court vite. Voilà. Oh là là, regardez, une érection en direct. Ah voilà, c'est parti. Waouh, qu'est-ce que c'est? Il y a une grande ouverture au milieu, qu'est-ce que c'est? Tu crois qu'on devrait rentrer? Peut-être que ça nous mènerait au lac de Crefadet. Jean-John, avec tout le respect que je te dois, tu es très con. C'est tout. On y va, en route pour le lac. Oui! Heureusement, j'ai sauvegardé. Oh, le petit Breton Tapon! Bon, alors, il y a quoi comme Pokémon dans le croisement cristal? Parce que finalement, c'est interdit à... Genre... Oh non, pas la confusion, c'est chiant. Oh là là, pitié. Oh là là, terrible, terrible. Stop, il va retourner... Et la foire à la saucisse continue, c'est parti. Oh là là, parfait. Hop. Par contre, j'ai plus grand... J'ai une pomme et j'ai plus beaucoup de place dans mon inventaire. Ah, il y a des chenizelles, voilà, parce que du coup, les trucs sont interdits à tous les Pokémon, sauf les Pokémon, évidemment, qui apparaissent dans les grottes. Hein. À droite. Qu'est-ce que c'est que cette...
Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Regardez ce niveau de merde. Attention, voilà un chenizel. Oh mon dieu. Mais regardez ce que je suis en train de faire. Oh là, terrible. Mais qu'est-ce que c'est que cette map? Mais putain. Mais t'es sérieux là? Et il y a des chenizelles qui arrivent. Vas-y, chenipapou, gère. Oh, le vent argenté super efficace qui a touché tout le monde. Mais oui, mais je peux pas... Comment on fait déjà pour manger? Comment on fait déjà? Au sol, ouais, c'est ça. Manger. Mais putain, le vent argenté, par contre, je vais plus beaucoup... Il va vite... Oh, mais là, là... C'est quoi cette map de l'enfer? Encore une pomme! Mais c'est terrible! Bon bah, je mange les pommes, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au moins, ma faim ne mange pas. Ma faim ne baisse pas. Je mange plein de pommes. Laissez-moi fuir. Laissez-moi fuir. Laissez-moi fuir. Ok. Croisement cristal, étage 5. Souffle orbe, repousse orbe. Mais chenipapou, depuis qu'il a vent argenté. Oh non. Oh là là, doux parfum. Alors attends. Il y a des orbes là-bas, donc on va utiliser un orbe, vas-y. On va utiliser un boost orbe. Un roche orbe. Super. John a peur. Oh, Mustéphate, ça peut être à riposter. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais tu me prends pour qui? J'ai abri. Hé hé hé. Mais... Oh là, beaucoup trop puissant. Ah mais du coup, j'ai utilisé un orbe, donc je peux aller en ramasser un nouveau. Voilà, un souffle orbe. Musteflot a ramassé Giga Sansu. Ah mais moi, je veux bien Giga Sansu. Attention. Capacité. Vibra quoi? Ah oui, c'est vrai, je peux faire ça aussi. Je viens de me rappeler. Je peux lancer des pics. Ok. Le croisement cristal avec la musique qui se répète. Mais attention. Pif! Paf! Bah, par contre, ici, c'est pas très avantageux pour un Pokémon haut, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a que des Pokémon qui résistent. Hein. Oh là là, la pomme, vite! Mangez la pomme! Mangez. Démarrons l'exploration. Oh, une Béoran! Alors, les Béorans, j'en veux. Hein. Mais putain, mais calme-toi, mec! Qu'est-ce qu'on... Bon, un turban, c'est nul, ça. Voilà. Une Béoran, c'est utile. Un turban... Je vois pas trop l'intérêt. Oh!
un Kecléon qui me défonce si j'essaie de lui voler des trucs. Oh mais putain, mais il y a des pièges partout. Mais putain, mais... Bordel de merde. C'est chiant les pièges nuls. Next. Next. Next, j'ai dit. Allez, je te défonce. Oh putain. Il est retombé sur le truc qui confuse, quoi. C'est bon, le voilà. C'est bon, le voilà, le voilà. Non, 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 s'il te plaît. Oh putain, il est gelé. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? C'était horrible ce qui vient de se passer. Mais putain, mais chenille papou, qu'est-ce que tu branles? Je suis bloqué. Ah, c'est bon. Oh là, regardez ce skill que je viens de... Vous avez vu ce skill? Qu'est-ce que je viens de faire? C'est incroyable! Incroyable ce que je viens de faire. Incroyable. Par contre, est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux venir, par contre? S'il te plaît. Putain, il y a l'autre abruti qui est reparti, par contre. Oh. Allez, c'est pas grave. Cette fois, ils sont tous ensemble. Aïe, aïe, aïe. Mais je t'emmerde, mec. Assistance parasport. C'est bien ici, c'est bien. On voit toute la puissance, notamment, hein, du... Toute la puissance du... De l'intelligence artificielle de jeu. Hein. Allez, c'est bon, on a enfin passé l'étape. Hein. On va faire abri, parce que là, c'est... On n'a pas de vie, là. J'ai esquivé la capacité abri. J'ai réussi à esquiver mon propre abri. Allez, on reste bien calme. Qu'est-ce que je fais? Les fameuses esquives d'abri, booster. Bon, j'ai trop d'objets là. J'aurais dû vider la réserve, mais je savais pas qu'il me laisserait. Puissance cachée. Je cherche l'escalier. Ce n'était pas par là. Ce n'était pas par là. Ce n'était... C'était juste là. Alors ça, c'est important, les jeux royaux, il faut les prendre. Je balançais une BP chanule. Croisement cristal, épisode 9. Absol! Chenny Papou, il est trop fort. Meilleur Pokémon, hein. Genre, il a parasport, il a poudre dodo. Ah, une Béoran. Mais vas-y, tu sais quoi? Il m'en faut des Béoran. Parce qu'en vrai, c'est utile. Alors que, genre, au pif, hein, transforme. À quel moment j'utilise un transforme dans ma vie? Ben, en fait, jamais. Oh là là, et les gelées aussi c'est utile, alors attends. Tiens, on va jeter les transformes parce que moi je suis, vous savez, je respecte beaucoup les trans. Attention, voilà un Absol. Oh, mec, fous-toi de ma gueule. Non mais oh. C'est quoi ça? Recyclage, c'est de la merde. Allez, on prend pas recyclage. Allez, au revoir.
Je suis bloqué en plus, comment je fais là? Ah mais j'ai une graine qui me permet de m'enfuir, tout va bien. Parce que là, attends, est-ce que je peux m'échapper dans les faits? Non, ça va être compliqué. Hein. Ah, est-ce qu'on essaye le chenipapou vent argenté? Attendez. Est-ce qu'on tente le chenipapou? Mais comment je fais? Alors, comment je fais pour que mon chenipapou utilise vent argenté? Attends. Équipe, chenipapou, capacité. Ah, j'ai plus, attends. J'ai plus de vent argenté. Mais je crois que j'ai un... Attends. Max élixir donné à chenipapou. On essaye, hein. Je sais que j'ai la télégraine, mais on essaye pour voir. J'ai fait une safety. Ok, donc là, chenipapou, il a utilisé le... Mais non, ça a pas marché. Ah, c'est bois. Ah oui, alors attendez. Ok, max élixir, boire. D'accord, oui, c'est ça. Oui. Je croyais que boire, c'était que pour toi. Oh, mais là, je vais me faire bol... Oh, le vent est janté. 94, 85, 63, double de sa vitesse, il booste ses attaques, il booste tout. Ah, j'ai bien fait de rester, hein. 3600... 3000... Il m'a tué. Et l'autre à côté, il me tue. L'autre à côté, il m'a tué, par contre, vous avez vu? Il a fait mania. Attends, on va désactiver mania, parce que c'est un peu chiant. Ah bah, tu sais quoi? On oublie mania, parce que c'est terrible. C'est terrible. Oublié. L'autre, il m'a mis deux mania dans la gueule, il m'a tué. À ce moment... Oh, putain. Merci Commu, hein. Oh mon dieu, putain, c'était stylé. Bon, c'est bon. Du coup, est-ce que je peux rencontrer des monstres quand même sur le terrain? Alors, est-ce que du coup, je peux quand même rencontrer des... Je peux quand même rencontrer des mecs là ou je peux me... Ah oui, je peux quand même rencontrer... C'est pas grave, ils vont s'en charger. Bon, il est temps que je m'en aille, là. Tous mes Pokémon sont partis à l'arrache. On se casse. Ok. Putain, on a toujours pas fini. Bah par contre, il utilise trop ses... En vrai, après, on... Attends. Comment on voit son objet? Ah oui, mais il a un objet, Max Elixir. Alors, comment je fais pour lui prendre son objet? Comment je lui fais pour lui enlever son objet, Max Elixir, là? De type passier. Il y a Commu qui a profité de la bagarre pour t'en mettre plein la gueule. Mais ouais, putain. Astérisque, astérisque. Oui, c'était abusé. Va dans objet. Ah oui, voilà, c'est ça, merci. Prendre. Ok. Bon, les baies oranges, je les veux, hein. On va lancer un concentre-orbe. Je veux les béorans, hein. Les béorans c'est hyper utile. Ok. Allez, on avance. Putain, 13! Pourquoi ça me fait un debuff là à chaque fois que j'utilise Hydroqueue, c'est quoi? Ah voilà, c'est fini. Lac cristal.
Ah putain, c'était très 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 jouissif. J'avoue que c'était extrêmement jouissif. Le vent violent qui a tué 10 mecs, enfin le vent argenté qui a tué 10 mecs, c'était fort. Regarde Fifou, voilà le lac. C'est pression, donc 2 pp. Ah ok, incroyable. Regarde un peu tous ces cristaux. Est-ce que c'est le lac du Créfadet? Oh, on dirait, vous savez, si vous avez vu Nausicaa, on dirait Nausicaa. Hey Fifou, regarde là-bas, regarde au milieu du lac, il y a une sorte d'île. On va nager. Moi, je suis type eau. Allons-y. Allez, on nage. Et qu'est-ce qui se passe? C'est Masco. Et ben voilà. On arrive au bon moment. Arg, arg. Et maintenant, il est à moi, le rouage du temps. Bah, cette fois, on est 4. Non, tu ne l'auras pas. Jamais. Vite. C'est exactement comme dans la vision. Donc, cette vision concernait bien un événement à venir. C'est qui, là-bas, Créfadet? Il a des ennuis. Allons lui prêter main forte. Il est là, sous les eaux, mon rouage du temps. Soit Créfadet, c'est bien ça, toutes mes excuses, mais je dois te le prendre. Arg, attends, attends, Masco. Tu connais mon nom? Masco le voleur, Créf et Créfadet m'ont informé de ta venue. J'aurais préféré te mettre KO d'entrée, mais j'ai aussi envisagé le cas où je perdrais. Alors j'ai mis au moins un système infini. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Ouah, le sol tremble. C'est le lac qui est couvert de cristaux, le rouage du temps est hors d'atteinte. Masco, le rouage du temps, tu ne mettras jamais la main dessus, même si je dois le payer de ma vie, jamais tu ne... Toi, je veux la voir et je l'aurai. C'est quoi déjà la chanson? Je veux la voir et je l'aurai. Ça sort d'où ça déjà? Merde, c'est de quelle chanson là? Je veux la voir. Ah oui, l'Amérique, l'Amérique. Je veux la voir et je l'aurai. J'ai besoin de ce rouage du temps, même si je dois t'éliminer, Créfadet. Halt. Tu ne partiras pas avec le rouage du temps. Vous n'avez rien à voir dans tout ça. Hors de mon chemin. Putain, mais c'est vraiment un enculé, Masco. Hein. Il me faudra me passer sur le corps. Tu plaisantes? Si vous refusez de vous écarter, vous ne me laissez pas le choix. Essayez donc de m'arrêter. Oh, je défonce. Oh, mais j'ai vent argenté. Oh, chenille papou, tu vas vent argenter toute la terre. Pouf! Ah, ça commence bien. Oh là là, chenille papou, il est prêt! Il s'est rien passé encore. Alors. Chenille Papou MVP. Il lui reste 5 vents argentés. Ah bah c'est bon. Équipe. Ah attends. Tactique groupe. À l'attaque. Je vais faire abri parce que... Ah j'ai... Il a peur. Et le vent argenteux. Mais ce mec est complètement ingérable. Masco a déjà peur. Pauvre Masco. Et l'autre qui arrive derrière. Attends. Équipe. Commu. Capacité. Ah c'est bon, il utilise Vibre Obscur de base, ok. Merci Miguel Raffarin pour ton... Ah bah de toute façon ça va être annoncé, c'est ça qui est bien. Masco, tu t'es fait débroussailler l'anus. Arg. Ah arg. Hors de ma vue. Bah non, on a gagné le combat, ça compte pas. Je n'arrive plus à parler mais je ne m'écarterai pas. Merci pour ton sub, Miguel Raffin. Vous avez vu, il y a les subs YouTube maintenant qui sont affichés. C'est pas trop stylé. Vous résistez, alors vous ne me laissez pas le choix. Non, Jean-John est en grave danger, mais je ne peux pas bouger. Arg, tout ça, c'est à cause du rage du temps. Pardonnez-moi. Non, mais... Halte là, qui va là? Oh, Nocturne Noir. Oh, Nocturne Noir, te portes-tu bien, Jean-John? Laissez-moi m'occuper de cela. Ro. Toi,
Cela faisait une éternité et j'ai eu bien du mal à te trouver, Masco. Hein, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, jusqu'ici, tu m'as suivi jusqu'ici, tu es tenace, tu me colles au train sans relâche. Tu ne m'échapperas pas cette fois, Noctu Noir, je suis surpris de te voir dans ce monde. Mais je suis prêt. Tu comptes te battre. Non mais, en fait, je t'ai explosé, Masco. Donc, tu ne peux pas te battre. Je t'ai explosé, d'accord? Mais as-tu la moindre chance de l'emporter face à moi? Masco a disparu. Diantre, ce Masco, il n'a jamais eu l'intention de m'affronter. On ne m'échappe pas à moi. Oh! C'est un spectre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'y comprends rien. J'ai beau essayer, impossible de bouger. Il est trop mignon, mon carapuce, vous avez vu? Oh, regardez, mon carapuce, il s'est fait bolo, c'est trop chou. Regardez. Oh là là, je suis trop triste pour Carapuce. Regardez-le. Oh, oh. Le bébé Carapuce qui pleure. Je ne peux pas, je me sens faible. Hi, là-bas les voilà. Et dis donc, faut vite se dépêcher. Putain, mais eux, ils servent à rien, jamais. Et dis donc, vous allez bien? Vous êtes vraiment mal en point. Il faut les ramener à la guilde, d'accord. Les nuages se sont dissipés au-dessus du Crasmont Cristal et dans les environs de la région forestière. Voulez-vous sauvegarder votre aventure? Oui. T'as, en vrai, à part le coup de la mania sur ma gueule, c'était marrant. C'était cool. Vous avez repris connaissance? Eh oui. Point, 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 point. Tu vas bien, Fifou? Ça va. Je me rappelle m'être évanoui au lac Cristal. Mais j'ai vaincu Masco. Est-ce que Crefadé va bien? Oui, il va bien. Ses blessures étaient superficielles. Il est revenu à lui, il est à la guilde. Ah bon? Excellente nouvelle. Et du coup, on a sauvé un rouage du temps. C'est trop stylé, en vrai. Tout le monde, ces deux-là ont repris connaissance. Oh là. Vraiment, super! Bah mince alors! Excellente nouvelle! Je suis hyper content! Bon d'accord, c'est bon. Vous n'allez pas pleurer, les mecs. J'ai failli oublier, j'ai quelque chose à vous dire! Et dis donc, qu'y a-t-il? Quoi? Tu peux répéter le grand Noctunoir et Masco, ils se connaissaient déjà? Oui, ça en avait tout l'air! Mais alors, qui est-il advenu de Noctunoir? Eh bien, Masco s'est enfui et je crois bien qu'il s'est lancé aux trousses de ce voleur. La sirène d'alarme! Oh mon dieu, le scénario! Eh ben quoi, Topiqueur? C'est Magnétique à lancer l'alerte. Il y a un appel d'urgence. Veillez à bien articuler. Vous me recevez, annonce de première importance. Rassemblement général. Tous les Pokémon de la région étaient convoqués. C'est tout, nous comptons sur votre coopération. De quoi peut-il s'agir? Oui, bon, on y va. Le secret de Noctunoir. Je savais que ce mec était un connard. Ah, il est revenu. Oh, il y a un thé d'Ursin. Les membres de la guilde. Ouah, on est plus nombreux que les habitants. Ils ont été convoqués. Pour qu'ils soient là, il faut que ce soit quelque chose de grave. Créfadé. Créfolet. Ah oui, mais attends, c'est des meufs, j'avais oublié. Créfadé. Créfolet. Tu vas bien, tu n'es pas blessé. Ah non, alors, Créfadé est un mec. Non, tout était drôle, même la maniaque à part. Merci, Frodon. Tout va bien. Le rouage du temps. Toujours dans le lac Cristal. Et il ne risque rien là-bas sans surveillance. Personne ne peut le voler. Ouais, il est en sécurité pour l'instant. Oh là là, il a son harem, le Créfadé. Le rouage du temps est à l'abri d'un coffrage en cristal. Difficile de s'en emparer dans ces conditions-là. Vous auriez pas pu le faire directement, hein? Ah, Jean-Jean et Fifou, vous êtes en vie, quel soulagement! Il a deux meufs pour lui quand même, hein. C'est terrible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé à Masco ou a-t-il disparu? J'ai entrepris de donner la chasse à Masco, mais il m'a glissé entre les doigts. Quand vous affrontez Masco, vous aviez l'air d'être de vieilles connaissances. Permettez-moi de vous interrompre, le gros Noctunoir compte tout vous expliquer. Rassemblement, tout le monde! Sabrici, je me demande bien ce qui se passe. Qui c'est? Et moi, qu'est-ce que j'en sais, moi? Tout le monde est là. Que la réunion commence. La série de vols du rouage du temps. Plusieurs rouages du temps ont été dénommés par un dénommé Masco. Le cours du temps s'est arrêté dans les régions privées de leur rouage du temps. La situation est grave. Masco a échoué. Il a échoué dans sa dernière tentative de vol d'un autre rouage du temps. Celui-ci n'a pu être sauvé. Waouh!
Ouah, c'est pas rien. Et le héros qui l'a protégé n'est autre que le puissant Crevadet. Alors, s'il te plaît. Mais Nick et Vorace, c'est moi qui fais tout et c'est pas moi qu'on remercie. Excusez-moi de vous interrompre, peut-être devrais-je expliquer la situation. Ah mais je vous emmerde, je joue à un jeu, on me prend 90% de mes revenus et vous êtes même pas capable de dire quand je... C'est Chenille Papou qui a tout fait quoi. Nous pouvons certes nous réjouir que le rouage du temps ait été sauvegardé cette fois, mais le fait est que Masco court toujours. Nous ne nous imaginons pas en sécurité. Masco tentera à nouveau de s'emparer de ce rouage du temps, je n'ai guère de doute. Et un autre problème lié à tout cela demeure. Un problème de la plus haute importance. Je m'en vais vous l'expliquer. Premièrement, tout à l'heure, Jean-John m'a posé la question suivante. Est-ce que je connaissais Masco ? La réponse est oui, je le connaissais avant toute cette histoire. Ce que je m'apprête à vous révéler, vous ne voudrez peut-être pas le croire, mais il se trouve que c'est la pure vérité. En outre, si nous ne faisons rien pour empêcher ce dont je vais vous parler, nous courons tout droit à notre perte. C'est pourquoi je vous demande toute votre attention. Pour commencer, Masco est un Pokémon venu du futur. Du futur ? Père ? Qu'est-ce que ça veut dire, du futur ? Mais comment c'est possible, un truc pareil ? Un Pokémon venu du futur ? Dans le monde du futur, Masco est un criminel notoire. Sa tête est mise à prix pour une prime faramineuse. Il s'est enfui du futur pour éviter qu'on ne les capture. Et il s'est réfugié ici, dans le passé. Une fois arrivé dans ce monde, Masco s'est mis à conspirer jusqu'à ce qu'un projet d'une indicible infamie germe dans son esprit, retors et perfide. Et de quoi s'agit-il ? Quel est donc ce projet ? Rien moins que provoquer la paralysie de la planète. La paralysie de la planète ? C'est cela même. Quand une planète est paralysée, elle est totalement privée de mouvement. Dans une région privée de rouage du temps, le cours du temps est ralenti. Et plus le nombre du rouage du temps subtilisé croît, plus le phénomène prend une ampleur dramatique, de telle sorte que le cours du temps finit par s'arrêter complètement. En dernier ressort, la planète est atteinte d'une paralysie totale. Et si la planète est paralysée, que deviendra notre monde ? Bah ça va être la merde. Le vent ne souffle plus. Pas plus que le jour ne se lève. Oh. Le printemps et l'été cessent d'exister. Et une ombre éternelle s'abat sur le monde. Oh mais Masco, il est pas gentil là ! C'est la fin du monde. Oh Masco ! Oh là là, Masco, salaud ! Mais pourquoi est-il méchant ? La fin du monde, c'est ça qui va arriver. La façon dont le temps s'est mis à se détraquer dernièrement n'est qu'un signe avant-coureur de la catastrophe à venir. Si les rouages du temps continuent à disparaître, ce monde connaîtra une fin désastreuse. C'est ça qui risque de se produire. Je n'aime pas ça du tout. Il faut qu'on fasse quelque chose. On n'a qu'à protéger le dernier rouage du temps. J'ai bien compris qu'on avait un gros problème à résoudre, mais ce qui m'aide pas, c'est... Ça vous concerne... C'est vous que ça concerne, mais sinon, comment ça se fait que vous en sachiez autant ? Alors, pourquoi vous connaissez le futur ? C'est vrai ça. Réflexion faite. Et Crapace a parfaitement raison. Normalement, il est vrai que je ne devrais pas savoir tant de choses. Comment se fait-il que je le sache ? C'est parce que moi aussi, je viens du futur. Donc, tu noir aussi, il vient du futur ? Oh, je sens venir le plot twist de merde. Masco, c'est gentil, c'est le gentil, et Noctunoir, c'est le méchant, et le boss final, ce sera Noctunoir. Mon objectif, c'est de capturer Masco, c'est pour cette raison que je suis venu du futur. Il m'a fallu rassembler autant d'informations que possible. Voilà pourquoi j'en sais autant, d'accord. Je suis confus, j'ai souffert maint tourment à cause de cela. Venez me pardonner pour ne pas avoir l'idée que ce serait passé. Là, je lis, mais c'est long, donc je vous ai trompé. Toutes mes excuses. Mais comment donc ? Vous ne nous devez aucune excuse, vous ne pouvez pas nous en vouloir, vous n'aviez pas le choix. Donc tu n'en as rien fait de mal. Seul Masco doit être la cible de nos foudres. Oh là là, le plot twist qui arrive gros comme une maison de 47 mètres. Bon, en fait, Masco... Alors moi, je vais faire une prédiction... Donc en fait Masco voilà, alors dans le futur Noctunoir en fait il a volé les rouages du temps et Masco il va dans le passé pour cacher les rouages du temps à Noctunoir et comme ça Noctunoir ne peut pas devenir le maître du monde et du temps et de ta mère. Sapristi, moi aussi, et ben dis donc j'en suis. Nous vous apporterons notre concours. C'est pas gentil d'être méchant. C'est bien vrai. On ne laisserait pas s'emporter dans le temps. Merci à tous.
En tant que Pokémon, nous devons conjuguer nos efforts. Et de mettre un terme à ces funestes dessins. Ouais! On est tous copains! Ouais! Mais si Noctue Noir, s'il veut s'emparer du rouage du temps du lac Cristal, Masco devra me vaincre et il le sait. Masco viendra à moi. Ce qui pourrait aisément se retourner contre lui. On irait tous au lac Cristal et on fera courir le bruit que nous allons sceller le rouage du temps. Pensez-vous que ça pousserait Masco à se foncer? Je vois, vous suggérez qu'on l'appâte. Ouais! Cela dit, vous prendriez un risque en servant d'appât, rien ne me ferait plus plaisir. Rien ne me ferait plus plaisir, nous sommes prêts à courir ce risque. Voilà, excusez-moi, je fais les voix de meuf. Dans ce cas, je comprends. Oye, oye, voici notre plan. Bon, là, il répète tout, hein. Bon, là, il répète absolument tout, hein. Alors, navré. Pourtant, je préférais processer de... Oh là, c'est sûr que c'est un trait... Oh là là, mais c'est un traître. Masco sur ça, sur ses gardes. Oh là là. CESS est totalement passé à XD, pas encore digne du nom des oracles de Fifou. Si nous agissons... Merci. Si nous agissons ainsi, je crains que Masco ne... Je vous prie de m'en excuser, j'insiste pour épérer seul. Non. Non. Non, j'en suis terriblement désolé, Jean-John. J'ai bon espoir de réussir à capturer Masco. La question est réglée, jusqu'à maintenant nous allons capturer Masco. Du moins c'était le plan, mais on reste en dehors. Ben dis donc si c'est nécessaire, d'accord. Mais c'est nul ce plan, mais il est trop con gros doudou là. Remplissez tout le monde votre rôle, capturons Masco. Ainsi donc, Noctue Noir, Créfolé et Créfadet se mirent en route pour la caverne cristal. Pendant ce temps, les Pokémon travaillèrent à propager la rumeur quant aux membres de la guilde. Voilà donc où nous en sommes, jusqu'à ce que tout soit levé, vous voulez poursuivre vos tâches habituelles. D'accord. D'accord. Accomplissez vos missions. D'accord. Voilà pour le programme des prochains jours, c'est tout. Bien tout le monde, c'est parti pour une bonne journée de travail. Hurrah! J'ai hâte de me refaire baiser. Oh vous autres, occupez-vous des missions du tableau du mission. Ce sera tout. J'ai reçu un message, putain mais... C'est long quand même. Hein. L'épisode spécial Bain Massaloir est maintenant disponible. Ouais, mais non, c'est bon. Hein. Oui, non, c'est bon. Ouf! Eh ben. Eh ben, un sacré nombre d'informations, là. Alors, on va où? Là, il y a un truc dans le bois aux pommes. Désert du Nord, là, on va faire Désert du Nord. Attendez, alors, on monte ici, on s'en bat les couilles maintenant. On est trop au niveau pour ça. Hein. Ah, il y a le Moncorne éventuellement, c'est A. Attends, j'ai quoi au Moncorne là? J'ai des trucs au Moncorne? Non, mais j'ai rien au Moncorne. Il faut Moncorne ou. Désert du Nord. Attends, liste de missions, j'ai quoi? Ouais, j'ai trois trucs au Désert du Nord. On va faire ça. Absol la fripouille. C'est balèze, les missions à l'étoile. Ouais, mais là, ça devrait aller. J'y suis déjà allé dans ces zones. Donc, j'ai déjà vaincu les mecs. On va utiliser nos trucs, là. On va utiliser nos cuits là. Ah putain, mais regardez le nombre de gelées. Allez, c'est parti. Bon, on fait un coup Jean-John, un coup. On fait nos mecs principaux. Hein. Je pense que. J'ai un peu la flemme d'optimiser. Je fais un coup. Voilà, très bien. J'ai eu un 9. Okay. Allez, gelé orange, fifou. Ensuite, gelé royal. Ah, gelé royal, ça a l'air stylé. Donc, on va remettre à fifou. Gelé verte, on va mettre à Jean-John. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Le Q augmente. Voilà, super. Ouais, mon Q a augmenté.
ouf. Bon bah voilà, bah on a repris avec brio Pokémon Donjon Mystère. Vous voyez que c'était... Alors, moi je veux demander un truc objectif au chat, donc vous me dites oui ou non si vous êtes d'accord ou pas, Vous trouvez pas que c'est plus cool quand vous évitez d'être de me dire sans cesse quoi faire, et que du coup je peux respirer et faire l'aventure comme je le pense? Si vous trouvez ça mieux, eh ben continuez comme ça. Arrêtez de me donner des conseils, c'était très très bien le live, à part le moment où je me suis un peu foiré et où du coup ça a recommencé. Mais du coup, bah là c'était bien. C'était mieux, hein. C'est bien comme ça. Donc voilà, pour la semaine prochaine, donc on va continuer du coup, vu que là c'est bien comme ça, ça me dérange pas de faire des lives comme ça. Donc du coup, bah pour la semaine prochaine, bah retenez ce conseil. Alors, juste... Le lundi prochain, je ne suis pas là, donc je vais pas pouvoir faire de Pokémon Solar Light lundi. Alors ma question c'est, est-ce que on repousse à lundi suivant? Parce qu'en fait là, en gros, je pars 3 jours avec ma famille. Spoil, le chat est relou. Est-ce que je fais comprendre la phrase? Pas de spoil. Mais non, ça va, Frodon, c'était cool. Merci beaucoup. Ou alors. Est-ce qu'on fait ça lundi suivant ou est-ce qu'on fait ça genre mardi? Le problème de mardi, c'est qu'il y a moins de monde qui est disponible en général. Bon voilà, en tout cas, donnez-moi votre réponse dans le chat. Merci à tous d'avoir regardé ce live. Je vous embrasse très fort. Bisous bisous. Bye bye. Bon week-end les mecs. Moi je vais faire du vélo.